Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux de vous retrouver dans ce garage-là. Cette voiture-là, si vous voulez, si vous avez suivi un petit peu le projet, c'est une voiture qui nous a donné beaucoup d'emmerdes, vraiment beaucoup d'emmerdes. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, la voiture va rouler, fumer, cramer du pneu, rupter et marcher sa mère. Sauf que petit souci, on peut pas encore augmenter la pression turbo et donc la pression gasoil complètement parce que la pompe haute pression fait du bruit. Alors bien sûr, rien m'empêche d'aller mettre une carto de port et d'aller rouler pour voir ce que ça fait. C'est sûr, on pourrait carrément le faire. Ma conscience mécanique sur cette voiture, parce que j'en ai quand même un petit peu, m'empêche d'aller rouler parce que si jamais ça casse, ça va me faire chier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une pompe haute pression, j'ai acheté un kit joint pour refaire une pompe haute pression à neuf, entre guillemets. On va la remplacer, puis ça va être plutôt cool. Donc première étape, faut lever la voiture et en gros, ce qu'on va faire, c'est démonter la courroie de distribution. Et oui, parce que la pompe haute pression est sur la courroie de distribution. Bon, ça y est les copains, maintenant que la voiture est levée, qu'on a retiré la roue et qu'on a retiré le pare-boue côté distribution, on peut maintenant venir bloquer la distribution avec une pige, dans mon cas ce sera une mèche de perceuse, pour venir bloquer le volant moteur et ainsi pouvoir desserrer la poulie d'ampère. Alors on commence par retirer la plaque de protection du volant moteur qui tient avec deux vis de 13. Et là du coup on a accès à notre volant moteur qui est juste là derrière. On a le démarreur qui est ce bidule ici. Et derrière le démarreur, on a le point de pige. Donc là, il faut faire tourner le moteur à l'aide de la poulie d'ampère là-bas jusqu'à ce que le trou arrive en face ici. C'était ma petite pige qui est rentrée dans le trou. Enfin, ma mèche de 8. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le support moteur, j'ai retiré les cages distribution. Maintenant, il ne reste plus qu'à détendre la courroie de distribution. T'es tendu comme une crampe! Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu! Sortir la courroie et ensuite, on pourra commencer le démontage de la pompe. Voilà, ça y est. Et donc ça, c'est une pompe R70 de 2,2 litres HDI, 136 chevaux, je crois. Parce qu'en fait, cette pompe-là fonctionne parfaitement bien. Le seul souci qu'elle peut avoir, c'est qu'une fois qu'elle chauffe un petit peu, une fois qu'on lui demande un petit peu de... Hein, vous avez compris, elle fait un bruit bizarre, elle fait une espèce de roucoulement. Et moi, ça me plaît pas du tout. J'ai pas envie de casser mon moteur ou de casser autre chose ou voilà, de pas avoir suffisamment de gasoil ou que la pompe casse d'un coup. Bref, on a commandé un kit joint pour refaire une pompe complètement à neuf. On a une pompe. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire cet après-midi. 20 minutes later. Bon, je vous la fais courte. En gros, on a acheté une nouvelle pompe qu'on a décidé de démonter pour refaire avec un kit joint, sauf qu'en la démontant, elle était vraiment pas jolie à l'intérieur. Et on va voir tout de suite si la cam est pas trop bouffée au niveau du joint. Attends, elle est défoncée. On a démonté une autre, elle était vraiment pas jolie à l'intérieur. On a démonté une autre, elle était vraiment pas jolie à l'intérieur. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est que on a commandé arbre à cam neuf, piston neuf, culasse neuf, joint neuf, et on a refait la pompe d'origine. Tchou papi. Hey les copains, rebonjour. Et oui, moi je vous dis rebonjour tout simplement parce que vous, ça fait genre 4 secondes qu'on n'a pas parlé de ces pompes. Mais pour moi, ça fait un mois. Ouais, il s'est écoulé un mois entre la dernière fois que vous m'avez vu parler des pompes et maintenant où je vais vous parler de la pompe. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? L'idée était simple, de base avec Teddy, on s'était dit on va regarder sur eBay, dans les pays de l'Est, là où les pompes ne sont vraiment pas chères. On va en acheter 3 et grâce à ces 3 pompes, on pourra faire une très belle pompe. Alors, ça s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'au final, on a acheté 3 pompes de merde. Ouais, je suis dégoûté. Du coup, dans l'idée, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à la recherche de pièces neuves pour reconditionner la pompe qui était sur la voiture. Sauf que pareil, les pièces étaient difficilement trouvables. C'est des références très précises que très peu de gens recherchent finalement, à part les spécialistes du moteur diesel. Mais maintenant, elles sont là. C'est le principal. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, la pompe est remontée dans la voiture, techniquement. Et on va faire des trucs de fou sur la route avec, techniquement. Genre juste rouler à 50 ou 80 km/h. Je serais déjà content d'arriver à faire ça. Voilà, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Une pompe, comment ça marche? C'est très simple. Vous l'avez vu juste avant, il y a une cam, une espèce d'arbre à cam, qui fait bouger des pistons. Au-dessus de chaque piston, il y a une espèce de chambre, comme dans un moteur finalement, dans lequel le gasoil est injecté. Et le piston, il comprime ce gasoil et il le renvoie à travers un tout petit trou. Et du coup, ça fait que ça sort à des pressions délirantes, genre plus de 1000 bars. Évidemment, on a toujours notre kit joint tout neuf. On a absolument tous les joints de la pompe qui sont là. Le joint spi de sortie de pompe. Donc ça, c'est le joint spi là où il y a l'arbre à cam finalement qui est juste là. Voilà, c'est le joint spi ici. Donc l'arbre à cam sort par là. Ici, on a un arbre à cam tout neuf. Et ensuite, dans ces 3 petites boîtes, qu'est-ce qu'on a? Du papier. Mais dans le papier, piston, guide de piston et ressort de piston.
ça y est, vous l'avez vu, je viens de nettoyer la pompe, alors je vais vous la montrer. Elle est maintenant propre, sèche, donc j'ai poncé en fait tous les plans de joint, donc les plans de joint des trois culasses qui étaient pas mal remplis de rouille. De toute façon, c'est pas vraiment la culasse comme sur un moteur qui fait joint, il y a un joint à l'intérieur. Bon, maintenant on va s'occuper des trois petites culasses qui viennent à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, il y a ce petit bitonio, donc c'est ça qui va notamment amener la pression du gasoil jusqu'à l'intérieur de la culasse, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Donc ça se démonte. Il y a un joint ici, un joint au fond, un joint là et un joint là. À l'intérieur ici, j'ai également la pièce neuve. Pièce neuve qui ressemble à ça. Quand je vous dis que là, pour toutes les pièces neuves, il y a un petit billet qui est passé chez Bosch, oui, c'est le cas. Mais au moins, après ça, j'aurai une pompe haut de pression neuve. On a donc un joint. Donc là, c'est tous les anciens qui sont durs et moches. Et là, c'est tous les nouveaux qui sont souples et jolis. Et on se rend pas compte, mais c'est ultra stressant. Là, je me dis, peut-être, je vais baiser pour à peu près 300 euros. Teddy est en train de rentrer sa petite voiture dans le garage. Et comme ça, on va filmer sa réaction en direct en train de m'engueuler pour toutes les bêtises que j'ai faites. Alors, la pompe est là. J'ai tout nettoyé, toutes les surfaces, etc. J'ai mis la nouvelle cam. J'ai mis les bielles, les anciennes. Donc, il y a un joint, une entretoise Teflon, le bitonio. Une entretoise Teflon, un joint. Tout est là, tu vois. Ah oui, tu l'as déjà empilé là-bas. Le grand joint là, le petit joint là. Sous ce petit merdier, il y a le petit joint métallique comme ça. Oui. Et alors le joint SPI, j'en ai... donc là, il y a le nouveau qui est monté. J'en ai vraiment chié pour le monter. Je crois que tu as entendu les coups de marteau quand tu es arrivé. En fait, le truc, c'était pour le sortir. Attends, je vais quand même te montrer l'ancien. Je l'ai mis à la poubelle, mais je vais te le montrer. Oui, ça m'étonne un peu quand même, mais bon, ça m'étonne pas plus que ça. Et le truc, c'est qu'en le tapant par devant, j'ai un peu marqué l'intérieur de la bague. Donc voilà. Et jusqu'à présent, je trouve que je m'en sors pas trop mal, à part cette histoire de joint SPI qui était vraiment grippé à la mort. Et en vrai, c'est parce que j'ai juste trippé, tu vois, mais en soi, ça se fait. Faut juste bien vérifier que ça tienne bien au fond et que la rondelle se barre pas. Bah, ça tient pas en fait. Genre, c'est vraiment. Alors, il faudra le faire à l'inverse. Il faut poser le piston, mettre la petite rondelle. Ok. Enfin voilà les copains, ça va. Teddy approuve, ça aurait pu être pire. Donc maintenant, ensemble, piston, ressort et siège de piston en gros. C'est du gasoil carte d'or saveur mangue. Exactement. Bah, tu sais, c'est pour justifier un peu la hausse des prix, ils mettent des saveurs maintenant. Bon alors du coup, j'ai sorti le petit élément de la culasse là. Je pose ça là. Là, la petite bague qui est au fond, elle doit bien rester au fond. Donc moi, j'ai mis un peu de gasoil, elle est un peu restée collée, donc c'est cool. Et maintenant, voilà, les petites vis. Donc là, tu as vu, c'est le désactivateur de troisième piston. Tu l'as bien mis dessus, hein, oui. Oui, de toute façon, on avait noté. Ouais. Oui, j'ai regardé avant de refaire. Et du coup, je disais en vidéo, ça fait genre une pompe neuve à 300 balles, un truc comme ça. Donc ça reste quand même une bonne affaire, parce qu'il faut savoir qu'une pompe comme ça, j'avais regardé, je m'étais dit, bon, quitte à mettre une pompe neuve, enfin une pompe en très bon état, autant acheter une pompe neuve ou une pompe reconditionnée. Le truc, c'est que les pros qui les reconditionnent, ils vendent ça entre 600 et 700 euros. Alors du coup, vu qu'on a du stock, parce que de base, on voulait faire plusieurs pompes neuves, c'est vrai, et du coup, ça, c'est la flasque que j'ai pas voulu remonter tout à l'heure, parce que en fait, pour sortir la poulie, je voulais sur la poulie, il y a deux empreintes pour visser. Et moi, on voit un petit vissé peu là. T'as vissé comme il fallait pas. Et j'ai vissé très fort, en fait. Donc moi, je vais te montrer comment j'ai fait. J'ai mis ça dans les taux, tu vois. J'ai tapé par derrière, machin bidule. Et après, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai pris mon gros marteau. J'ai pris lui. Je me suis mis là, comme ça, là. Et puis, je vais jusqu'à le déformer et que ça sorte, tu vois. Ah, il sort, lui. Voilà, impeccable. Il s'en va. Ah, il s'en va. Bon. Ça, c'est ta flasque d'origine, la pompe, elle était nickel, pas de rouille, rien du tout, donc c'est sûr que ça allait sortir. Ouais, c'est pas faux. Bon, alors la méthode de Teddy, c'est de le faire dans les taux. Effectivement, c'est pas bête non plus. Nickel, nickel, nickel. C'est pas mal. Là, t'as tordu la tige. Elle est tordue. Bon, on va aller dans l'autre étau. Là, c'est-à-dire que Teddy, il a juste voulu le mettre en place. Oui, il est rentré. Regarde, on va le rentrer à fond. En même temps, oui, non, mais la taille de la barre, là, la taille de la barre dans le tréteau, c'est normal. Bon, bah là, du coup, on remet la flasque sur la pompe et c'est nickel. Exactement. Voilà, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Et là, c'est les petites comme ça. Voilà, ça c'est fait. Plus que deux culasses à monter et c'est bon. Je vais réessayer une dernière fois et après j'irai chercher la graisse. Il y a bien la rondelle? Ouais, c'est bon. Ça t'énerve? Oui, ça commence. Oh putain. Anthony cherche la graisse. Oui. Bah laisse la culasse là, non? Bon. La graisse, elle tient pas, il y a tellement de gasoil. Je te l'ai dit que le gasoil, ça colle pas. Oh, allez. Oh putain. Il y a encore la rondelle? Oui, oui.
Il y a encore la rondelle. Il y a encore la rondelle. Ah, ça y est. Bon, maintenant il faut pas tout faire sauter. Je suis content là. Ah voilà. C'est très bien. Moi j'aime ça. J'aime les blancs de Savoie. Oh, j'en bois un verre chaque repos. Ça, c'est bon. C'est gênant. J'ai tout remonté. Je vous avoue que j'ai une petite appréhension parce que c'est la première fois que je refais une pompe à gasoil. Même si j'étais pas tout seul, il y a quand même une sacrée appréhension. Là, petit coup de démarreur pour faire monter l'huile dans le moteur, dans le turbo et ainsi de suite, sans les injecteurs. On rebranche les injecteurs et on essaye de démarrer cette fois-ci. Là, les injecteurs sont branchés, c'est le moment de vérité, je vous avoue, je suis en train de me chier dessus, parce que si ça démarre pas, ça veut dire qu'on a fait une merde à la pompe haute pression et qu'il faut tout redémonter. Allez, on réfléchit pas, on démarre. Ok. Oh, ça marche là. On va mettre deux barres là. Wesh. Là, ça commence à tourner par contre. Là, ça commence à vraiment tourner là. Bah non, elle marche. Gros, on est d'accord qu'elle a tourné comme une grosse merde. Et après... Le rupteur était un peu hard là, j'avoue. Non, là c'était beaucoup trop là. Non, vraiment, après le rupteur, t'as entendu, elle a fait genre... Ça allait pas du tout. On a attendu un peu. Et elle est réparée. Ça craint rien selon toi? Non. On va rien casser? Non. Mec, si on casse un truc... comme ça, après. Comme ça, hein. Je te moleste, hein. The next morning. Donc là, on a une voiture qui est 100% fonctionnelle, donc en gros, là maintenant, Teddy va pouvoir commencer à se faire plaisir. Ah oui. Et à noder une carte de port, quoi. Ah oui. T'as vu quand ça charge? J'ai eu envie de tirer la 1 comme un gros porc, puis je me suis dit, non, je vais tout casser. Tirer 2, c'est bon. Gasoil qui charge, donc ça pousse, et dès que t'as le turbo qui charge, ça repousse. C'est double poussé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait pareil quand tu passes à un port, genre ça pousse et ça repousse. Ça repousse. On peut faire la course contre les gens sur l'autoroute. Si tu veux. Lui. Ah ça y est, là on est à sa vitesse. Là on le rattrape. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah c'est bon, on l'a doublé. Ah
Donc en gros, la prochaine vidéo, c'est au banc. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Mais t'es complètement con. Ouais, je sais pas.